La Somalie fait face à une recrudescence des cas de coronavirus, alors que son système sanitaire est des plus fragiles au monde. Officiellement, le virus a coûté la vie à 50 personnes au cours des 3 dernières semaines. Les populations appellent à l'aide. Le coronavirus sévit ici. Nous avons besoin de l'aide pour le vaincre. Il nous faut des traitements qui nous immunisent. Je suis triste aujourd'hui car ma mère est morte. Et vous en verrez beaucoup d'autres dont les proches vont également mourir. L'idée d'une nouvelle variante du virus est évoquée. À l'hôpital Martini de Mogadiscio, le personnel est submergé. Les officiels tentent de dédramatiser alors que des chiffres alarmants circulent sur les réseaux sociaux. Il y a des rumeurs sur les médias sociaux qui font état d'un nombre de décès beaucoup plus élevé dû au virus. Je pense que c'est lié à la politique et qu'il est impossible que nous perdions 200 personnes en une nuit dans nos hôpitaux, comme cela est suggéré sur les médias sociaux. La vérité est qu'au cours des 3 dernières semaines, nous avons perdu environ 50 personnes. Depuis le début de la pandémie, le pays dit avoir enregistré 6549 cas de coronavirus, dont 218 décès, et attend toujours ses premières doses de vaccins.